Kof! Kof! Il est où? Kof! Ah, pardon, il n'y a pas Jean-Pierre Kof? Il est dans les coulisses. Ah bon, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Très bien. Dansez, hein, vous en faites pas pour nous. On aime bien avoir les percussions. On cherche Jean-Pierre Kof, vous l'avez pas vu? Il est presque en bas. Où en bas? Il descend de la loge. Ah bon? Ouais. Vous avez pas vu Jean-Pierre Kof? Oui, il est derrière moi, Sydney Israël. Ah ben le voilà, salut. Salut. Mon amour. T'as pas envie comment d'être en tu vas? Regarde ce que je t'ai apporté. Oui, mais je m'en fous, Regarde. Comment salut, ça va? Salut. Oui, ma poupoune. Bon. Ça va? Ça sent l'avoine un peu. Ouais. Hein? Tu vois, c'est fait bizarre d'être là. C'est quoi? C'est une odeur de loge ou c'est particulier à l'endroit? Non, non, c'est une odeur de loge. C'est une odeur il y a une loge. Odeur de peinture parce qu'ils font tout neuf ici, tu sais, c'est une belle maison, on fait tout à neuf. Mais il y a une odeur très particulière. Quand on se balade dans les loges, c'est un truc inoubliable. Ouais. Une loge a pas. Ça n'a pas la même odeur, une loge de cabaret et une loge de théâtre. Loge de cabaret, ça sent vraiment la sueur aussi. Ça sent le travail, la besogne, l'effort. Dès qu'on a été dans une revue, on ne pense qu'à ça. On pense à cet escalier. Car même si tu l'as descendu 100 fois, tu sais toujours que tu peux te péter la gueule la 101e fois. Et ça, c'est vraiment... C'est toujours une trouille qui te prend, l'escalier. Moi, je me souviens, au début, je descendais l'escalier, j'avais une chaussure de smoking qui était pas assez... Et tout à coup, tu sais, on descend comme ça, et tout à coup, la godasse, quand dans la salle, t'es en chaussette là-dedans, il y a toujours un trou et une chaussette parce que la bieuse n'a pas raccommodé. Et il y a toujours cette machine dans la tête où tu te dis, merde, l'escalier, qu'est-ce que je fais si je rate une marche, si je suis pas... Tu vois, c'est machin qui te prend vraiment la tête. T'es tombé des fois? Je me suis évanoui une fois. Ah ouais. Retombé. Ouais. Je crois que j'avais un petit poil abusé. On va boire un coup? On va le boire, oui, ce pinard? On va boire ce pinard, oui. Allons-y. Tu vois ça, ce qui est formidable, c'est que quand on est dans la salle, on voit pas les traces de fond de teint, ouais, tout ouais, ça. Ouais. C'est des trucs, tu vois, à toucher, c'est formidable. Ça vit. Rien que ça, ça donne des gens heureux. C'est vrai. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que dans ces spectacles-là, il y a les types... Ce qui est fantastique, c'est que tu vois les mecs qui sont crevés, les filles sont fatiguées, elles ont des problèmes de santé, de mecs, de tout. Et elles arrivent ici. Le sourire est toujours vrai. C'est vrai. Parce qu'il n'y a rien à faire quand il faut danser. Tu ne peux pas danser fatigué. Et comme tu es dans une troupe, quand il y a une ligne et qu'il y en a un qui ne lève pas la jambe au bon moment, les autres tapent. C'est très émouvant pour moi d'être là. J'entends les musiques, le cancan, la plume. T'as fait ça pendant combien de temps? La plume, j'ai fait ça pendant un an. Ouais. C'est affreusement fatigant, parce que ça demande une vraie tension. Parce que les gens sont là pour s'amuser, donc on est obligé de payer content. C'est pas un truc que tu fais les pieds dans le... Tu vois, t'es pas en chaussons quand tu fais ce truc-là. C'est un truc qui demande une énergie. C'est pour ça qu'en fait, t'es obligé d'y passer. Tu fumes, tu t'en mets dans les trous de nez, partout, t'en mets, parce que derrière... Il y avait une chanson que j'adorais à l'Alcazar, c'était « De-ci, de-là ». « De-ci, de-là », hein. « Qu'un, c'était... » « Va, chemine, va, trottine, va, petite âne, va, de-ci, de-là, qu'un, le picotin te récompensera. » Qu'est-ce qu'il goûte? Ah bah, qu'est-ce qu'il goûte, à votre avis? C'est le maître? Jeune homme, quelle question. C'est des hommes qui ne savent pas ce que c'est que le vin, ils ne servent que du champagne, ils font des cocktails. Vous savez un peu l'agiter? Est-ce que les gens en boivent encore des cocktails? Ça se perd, hein, l'art du cocktail. Ouais. Tu l'as demandé pas bouchonné, je te reconnais bien. On serait dans la cave d'Aubrion, on ne boirait pas une autre température que ça. Ouais. Ça, c'est pas tant. N'hésitez pas, messieurs, remplissez les verres, n'en versez pas trop, qu'on en ait encore. N'en donnez qu'à ceux qui en méritent, surtout. Tu vas en boire, toi? Ouais, moi, j'en bois pas. Dis donc, qu'est-ce que c'est, cette saloperie que tu buvais l'autre jour, Winston? Tu mets quoi dans le champagne? Dans le champagne, on met du jus d'orange. Et moi, je trouve ça dégueulasse, le jus d'orange avec le champagne. Sauf qu'au Bristol, il y a un mec qui sait le faire. Il sait faire le mimosa.
Ça s'appelle du mimosa. Ça s'appelle du mimosa. Et on boit ça l'hiver, parce que le mes parents habitent à Bormes, les mimosas, et le mimosa fleurit l'hiver, donc on boit du mimosa l'hiver. Et l'été, fais-toi faire des bellinis. Ah oui, des bellinis, c'est bon. Ah ouais, des bellinis, c'est bon. Avec de la pêche. C'est formidable. Bon, bah, la tienne, hein. La tienne, mon vieux. Qu'est-ce que c'est bon, les amis. Oh, le bon vin, c'est bon. C'est vraiment une balade. Tout à coup, tu t'envoles, tu fermes les yeux, tu sais plus où tu es. Ça met de bonne humeur. Ouais. C'est épatant. Le bon vin, ça met vraiment de bonne humeur. Épatant. Le vin, c'est quand même le meilleur des trucs. C'est ce que m'a dit Topor l'autre jour. Et il me dit, la vie est mieux avec un coup dans le nez, mais personne n'ose le dire. Oui, mais tu sais ce qu'on avait réussi à faire avec mon pote Carmé, ouais. C'est qu'on arrivait à très bien gérer nos cuites. Ouais. On les baladait, on les faisait durer le plus longtemps possible. C'est pas amusant. C'est comme l'amour. Le quoi? C'est comme le sexe. Je suis pas très mal testé. Ne me parle pas de ces choses-là, c'est fini, j'y pense plus. Mais le vin, oui, c'est bien mieux que l'amour. T'as pas de déception, rarement, avec le vin. Si tu choisis bien, t'as pas de déception. Alors qu'en amour, si tu choisis bien, tu peux malgré tout être déçu. Alors, avec lui, on gérait nos cuites. On les décidait presque. Et puis on les menait comme ça. On arrêtait, on repartait. Puis après, ça casse. Durait combien de temps? Notre amitié? Ou vos cuites d'abord et ensuite votre amitié? On en a fait des plus d'une nuit. Ouais. On en a fait des plus d'une petit nuit. Petit à petit, oui. On en a fait une où on avait acheté le bordel de Tours, quand même. Ah bon? Ah bah oui. Sa femme me téléphone 48 heures après en disant « Qu'est-ce que c'est? On a une lettre du notaire. Qu'est-ce que c'est que cette maison que vous avez acheté ?» Tellement bourré qu'on avait signé un papier en disant qu'on avait acheté le bordel de Tours. Alors on en a mené de très, très belles. C'est fini. J'ai pas rebu depuis. T'as pas rebu, c'est-à-dire? J'ai pas rebu comme avec lui. Ouais. Il y a des choses que je peux pas faire sans lui. Mais Depardieu, c'est pas un peu le même trip, non? Non, Depardieu. Il boit que son vin, d'abord. Ah bon? Donc c'est... Je veux dire, c'est... Et puis, il boit beaucoup. Ouais. Et il boit... Tu sais, on peut pas boire quand on est désespéré. Or, lui, il boit à une cadence telle qu'on a l'impression qu'il est désespéré. Il boit pour oublier. Il boit, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Lui, on se demande ce qu'il a oublié, au fond. Tu peux pas expliquer les raisons pour lesquelles les gens boivent. Il est sûrement très malheureux pour boire bêtement comme ça. Mais... En fait, c'est toute la différence entre être sous, être ivre, ou être gris, comme on disait dans le temps. Les gris, les grises, ouais, les grises. Ouais. C'est une très jolie expression. Les griseries, oui. Les mecs grisant. Sous, c'est vulgaire. Ouais. Alors qu'un mec ivre, finalement, il y a un côté digne dans l'ivresse. Ouais. Dans l'ébriété. Oui, mais l'ébriété, tu ne perds juste pas la l'ivresse, tête. L'ivresse, tu peux perdre ta voiture, tu peux... Tu peux oublier ta femme dans un endroit et te tirer. C'est une vraie folie, l'ivresse, quand même. C'est quoi le meilleur vin que tu aies jamais bu? Le top, si tu dois partir sur une île déserte. Excuse-moi de te dire que c'est une question complètement con. Parce que ça ne veut rien dire. C'est avec qui on les boit, dans quelles circonstances on les boit. Le meilleur vin que j'ai bu, c'était avec Carmen. On était un jour chez Manière. Quand Manière était à Saint-Paul-les-Valences, il avait une espèce de grand caravansérail, une espèce de brasserie pour routiers ridicule. On était tous les deux. Et Manière était dans un coin, il était avec son copain Ned Rival, il travaillait, il s'est foutu de notre gueule. Il nous envoyait des bouteilles formidables, c'est des bouteilles de chez Chape, des Hermitages, des Cornas, des Côtes Rôties, des machins, à 50 000 balles la bouteille. Côtes Rôties, c'est bon, c'est vrai que c'est un goût de brûlé, hein. C'est marrant. 500 000 balles la bouteille, 5 000 francs la bouteille. Et on n'en avait rien à foutre. Quand à 2 h du matin, on lui dit, écoute, tu t'es vraiment foutu de notre gueule, tu as filé des très bonnes bouteilles, mais c'est pas ce qu'on voulait boire. On voulait boire des trucs. Et il vient avec il amène le domaine de Trévalon. J'étais restaurateur à l'époque. Bois une bouteille, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoute, c'était fantastique. On fermait les yeux,
Et je disais ça, je disais fermons les yeux. On fermait les yeux et on avait le soleil des Baux-de-Provence qui tapait sur les épaules. Tu commençais à avoir chaud tellement c'était bon. Il y avait des odeurs extraordinaires et il y avait un petit chemin tout au fond, je le vois encore très bien, qui était un petit chemin qui sentait le chèvrefeuille. Et puis tu rentrais dans ce petit chemin qui était dans un verger comme si ça avait été un paradis terrestre où il y avait de tout, des abricots, des énormes polonais bien mûrs, il y avait des pêches blanches juteuses qui dégoulinaient partout, il y avait des groseilles à macro, il y avait des grosses cerises rouges, tu sais, les cerises qui, dans notre enfance, on s'amuse avec les filles pour leur mettre du rouge à lèvres avec des cerises. Il y avait des myrtilles, il y avait... C'était un vin qui avait un fruit absolument extraordinaire. On avait rien de... Et on goûte ça, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est bon, j'en veux 300 bouteilles pour mon bistrot, le bistrot qui à l'époque. Je dis, attends, je vais chercher le représentant. Il réveille le représentant au milieu de la nuit, le mec arrive à 3h du matin, je lui dis, je veux 300 bouteilles, je vous fais un chèque. Il me regarde, il ne savait pas qui j'étais. Il me dit, je ne peux pas vous voir demain matin. Je sentais que l'affaire n'était pas faite. Je lui dis, venez demain matin à 9h à l'hôtel, le lendemain matin à 9h. Nous qui avons l'habitude de picoler, on sait ce que c'est que de se réveiller de bonne heure. Et on dormait ensemble, Jean et moi, dans le même lit. Et le lendemain matin à 9h, on était propre, il était rasé, on était nickel. Et on était tous les deux à poil dans le plumard. Et le mec est rentré, on lui a dit, les verres sont là, vous pouvez commencer à servir monsieur Déguste. Qui peut-être sur le cul, évidemment, de voir ça. À la tienne. C'est bien ces ambiances de cabaret. Tu vois, c'est presque dommage de boire ça comme ça parce que. Ben, il faut te dire que c'est le dernier, mon petit vieux, ici. Ouais, ouais. Dans le genre cabaret, c'est pas Lido où on parle des mecs, c'est cette maison tenue par un mec qui y croit. Moi, j'ai connu Israël à l'Alcazar. Il a récupéré cette maison. Je veux dire, avant que vous n'arriviez, on en a parlé pendant une plombe. Bon, il y a. Il aime ça. Tu peux pas faire ça si t'aimes pas ça. Je veux dire, parce que c'est un emmerdement. Les danseuses sont chiantes, les danseurs sont impossibles, la meneuseur vue de fait chier, la danse, la chanteuse a toujours un truc à la voix. Mais il supporte tout ça parce qu'il aime ça. C'est sa vie. Et tu peux pas avoir un cabaret comme celui-là si c'est pas ta passion. Moi, j'aimerais bien être patron d'un cabaret comme ça. J'adorerais ça. Mais pas pour me taper les danseuses ou les danseurs. Parce que c'est... Parce que ça, t'as une chance sur deux de faire des mecs heureux. Et c'est quand même pas courant dans la vie de pouvoir donner du bonheur aux gens. Artiste peintre. Bah, je te félicite. J'ai amitié pénétrative avec ma copine qui me pose jour et nuit pour aboutir à l'art extrême. Il me prend le jour et la nuit et après il peint. J'ai peint avec tout ce que je ramasse. Là, j'ai peint et j'ai fait les couches. Après le couche, je fais la. Voilà. Elle est russe, non? Non. Elle est quoi? Non. Elle est... Ukrainienne? Non. Tchèque? Arrête de jouer. Bulgare? Attends encore un moment. Un moment parce que j'ai besoin de liquide. Je vais dans la banque de sperme avec ma carte bleue pour retirer les liquides. Et là, maintenant, 100,
C'est ça, la peinture. Ouais. Ça sent la peinture. Ça sent la peinture. Et reste à côté. C'est joli, jaune aussi. Les gens sublimes. Les gens sublimes. On cherche, jaune. On cherche la couleur jaune. C'est là, beau, jaune. C'est pour ici. Ici, ici, c'est le jaune. Hein? Ça aboutit. Ça aboutit à une couleur sublime et érotico-mystique. Waouh! Et ça, c'est le sperme d'un peuple. C'est pas le sperme. C'est pas... Ah bon? Combien de fois je te dis c'est la bière? Mais pourquoi je fais pas peintre, moi? Non, là, t'es avec non, bon non, non, c'est pas bien. Pourquoi Thierry, je fais pas peintre? Le peintre, c'est pas bien. On est piégé par la peinture. C'est pas un métier, c'est le piège. On peut plus en sortir. Tu peux plus t'en sortir? Ah non, non. On peut plus en sortir. Tu, ouais. Regarde-moi. Tu vas apprendre la peinture. Oui. Tu viens avec nous. Avec moi. Non, non. Lui. C'est ça la modèle. Ah! Attends, moi je veux faire peintre. Il y a deux personnes qui boivent cette vodka, c'est moi et Gorbatchev. Ah ouais? Maintenant c'est trois. C'est toi, moi et Gorbatchev. Elle est bonne. Hein? Elle est très bonne. Non, elle n'est pas bonne. La vodka ne peut pas être bonne, elle doit être excellente. Elle doit être forte. Excellente. Ouais. C'est qui la nouvelle Dali? Parce que moi je suis nouvelle Gala. Gala. Et tu cherches ton Dali? Voilà. Tu l'as pas trouvé avec Anton? Non, chez Picasso. Ah. Il fait peintre, mais tendance Picasso, si tu veux. Il a choisi. Mec, il fait non, mais c'est pas la peine, c'est pas la peine de rejoindre. C'est où ton atelier alors, Dali. Anton? Sérieux, c'est où? Non, l'atelier, c'est jusque-là. Ah, jusque-là? Jusque-là. Et, tu pars... et à partir de ça, c'est le garage de ma bite jusqu'au. On y va. Jusqu'au baiser-droit que je montre. Arrête! Oh là là, les nanas, on ne peut pas les supporter. C'est un vrai pays, l'Ukraine, ou non? Ouais, c'est, ah un oui, vrai c'est un pays. Vrai pays. C'est un vrai pays. Plus ou moins, la France plus Belgique, ensemble, 60 millions d'habitants, et tous sont super ukrainiens. Ah ouais, ils sont nationalistes. Non, pas nationalistes. On est amateurs de culture ukrainienne. Amateur de notre drapeau et de Boubka. Boubka, il va être troisième président de la République. Parce qu'il saute plus haut que les autres. T'as été communiste avant, toi? Non, j'étais. J'applaudis. Quand t'étais petit, t'avais. Quand j'étais petit, j'applaudis parce qu'il fallait applaudir. Ouais. Il est midi du mat et moi je me réveille. Ça fait tôt pour un héros, mais faut que j'y aille. Qu'est-ce que je mets ce matin? J'ai mon costard en lin. Nickel, top modèle, ultime piège à femelle. Oh, yeah. Salut les gosses, ça biche. Je suis tranquille, je suis peinard, je marche seul sur mon trottoir. J'ai personne à emmerder et personne me fait chier. Les flics et la politique, c'est pas mon blâme. Musulmans et catholiques, je m'en cure le zen. Sur un banc, il y a deux culs qui m'interpellent. Moi je les ignore, mais elles sont folles de mon corps. Elles ont envie de la petite gâterie, mais non, faut que j'y aille. Allez, salut la volaille, tiens un cadeau. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Ça va bien, ravi de vous voir. Alors, voyageur. Je suis très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, je suis ravi. Ils attendent pour vous leur signer des autographes, les gens, là? Oh, ils vont attendre. Ils vont attendre? Ils vont attendre. Moi, je sais attendre. Parce que moi, il faut absolument que je vous mette derrière un piano. Eh ben, on va... Derrière un piano? Ouais. Bon, on va s'approcher d'un piano? Ouais. Alors, les seuls pianos qu'on ait, c'est... Vous manquez pas de piano, ça va? Oh, moi, non. Mais ouais. Ici, c'est sur scène. Ouais, bon, il faut y aller. Ben, on va sur scène, alors. Ouais. Bon, d'accord. Merci. Sur scène, hein? Vous venez avec nous, hein? On y va. Pardon. Pardon. Excusez-nous. Pardon, excusez-nous, il faut qu'on passe, pardon. Bravo, monsieur. Merci, madame. Bravo, Michel. C'est bien, mes enfants, jolis, c'est joli comme tout. Par ici,
Voilà, il y a un piano là. Alors ça, c'est très beau. Parce que ça, une scène déserte, il y a toujours une flamme. C'est un peu comme à l'église. Oui, la petite lumière rouge. La petite lumière orange, oui. Pour dire que le Jésus est dans le tabernacle. Voilà, voilà. Ouais. Et sur scène, hein, vous avez remarqué, c'est pareil. Il n'y a plus rien. Mais il y a toujours au milieu une lampe. C'est-à-dire que c'est très l'art, beau. La vie, elle reste toujours. C'est beau, hein. C'est rigolo. Alors ça, ça ressemble à un piano. Non, ce qu'il faut que je vous dise avant tout, ouais. Parce que sinon après je vais oublier, okay. C'est que ma femme, mm-hmm. elle m'a dit, si un jour dans ta vie tu rencontres Michel Legrand, oui. demande-lui de jouer juste un petit bout des Moulins de mon cœur. Voilà. C'est pour elle, c'est comme c'était la Saint-Valentin. Que l'on jette dans le vif d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vent de goéland, sur des chevaux de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. C'est un très beau cadeau que vous faites à ma femme. Avec joie, alors. Et à beaucoup d'autres gens par la même occasion, vous le savez. Gentil. Hein? C'est gentil. Vous êtes génial. Hein? Et dites-moi, pourquoi cet intérêt après Yentl avec Barbara Streisand, maintenant le film tiré de Singer, vous avez un intérêt particulier pour le monde juif, comme ça, pour le côté violon sur le toit, c'est bizarre. Écoutez, c'est drôle, mais j'ai rien de particulier ou de spécial, simplement... Par hasard, il se trouve que presque à chaque fois qu'il y a vraiment un sujet vraiment juif, c'est toujours à moi qu'on vient de demander. Oui, c'est drôle. Oui. J'ai fait récemment la vie de Golda Meir, par oui, exemple, oui. Bon, la musique. J'avais fait des tas de choses. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui est très curieux, c'est que les Américains m'ont demandé des fois de faire des choses, des films sur les Noirs, des films... Oui, oui alors j'ai écouté... Enfin, les Américains, ils disent que vous êtes un meilleur compositeur de musique américaine qu'eux. C'est quand même le top compliment. <C'est> pas... ouais, mais quand on les connaît, c'est... Oui, mais c'est vachement gentil, parce que, oui. parce que la musique, elle est musique. Ouais. Elle est partout. Elle est... Mm. Ouais, y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de pays pour la musique. Quand vous étiez petit, vous habitiez où? Quand j'étais petit, j'habitais en banlieue. J'habitais à Asnières. Et je passais ma vie près d'un piano, quoi. Parce que vos parents, ils faisaient quoi? Bon, mon père était musicien, mais il est parti acheter des allumettes quand j'avais 3 ans. Ah, d'accord. Et il n'est pas revenu, alors ouais. Je n'ai pas beaucoup vu. Si c'est marrant d'ailleurs, c'est exactement comme Jean-Michel Jarre. Son père est parti un jour acheter des allumettes, il n'est jamais revenu, Maurice Jarre. mais ils s'entendent bien tous les deux. Maintenant, ils sont peut-être réconciliés depuis le temps. Et alors, vous avez commencé comment? Avec le piano, comme ça, tout seul, parce que vous étiez un peu triste chez vous. Oui, c'est ça, j'étais solitaire. Moi, les autres enfants, ça m'ennuyait. Je n'aimais que ça. Alors, c'est marrant parce que j'écoutais à la radio des chansons, ça. Mmh. Et je m'amusais à les retrouver au piano à deux doigts. Ouais. Et je recherchais les harmonies pour voir comme ça. Et alors, ma mère s'est aperçue très vite que c'était une véritable envie. Et elle m'a fait donner des leçons tout de suite. Et je suis rentré au conservatoire très, très jeune, à 10 ans. Ah oui, ah, oui. Vous étiez un petit génie quand même, un petit peu. Quoi. Non, on peut c'est pas dire ça. Mais, bon. Non, mais j'étais doué. C'est-à-dire que très doué. Voilà. J'allais vite et tout ça. Ouais. Et puis, alors, et de 10 ans à 20 ans, pendant 11 ans, j'ai fait toutes mes études là-bas avec les grands maîtres. Parce que je voulais vraiment.
vraiment avoir. Vous avez appris. Oui, une vraie technique. Je voulais. Vous avez fait de l'apprentissage. Oh, mais j'en ai fait plein, plein. C'est magnifique. J'ai travaillé. C'est de famille parce que votre sœur, elle chantait vachement bien. Bien sûr, oui, mais elle chante toujours formidable. Les Swing Singers, c'était extraordinaire. Celle Legrand, c'était magnifique. Le double 6, tout ça, c'était elle. Double 6, absolument. C'était la bonne époque, c'était bien ça. Oh, ça revient. Toutes les époques. Le jack, ce qu'on appelle le jack maintenant, ouais. C'est la bonne façon de chanter. Ouais, les gens qui chantent très bien, a cappella, très belles mélodies. C'est vrai, les groupes vocaux, vous connaissez Portrait ? C'est un nouveau groupe. Ils ont repris How Deep Is Your Love des Bee Gees, simplement a cappella, juste des voix. Ils sont combien dans le groupe ? Je crois qu'ils sont 4 ou 5, des noirs américains. Très très bien. Et vous connaissez Tech Six, le groupe ? Non. C'est un groupe de 6 noirs américains qui appellent la même chose. C'est sublime. Oui, il y a un vrai retour de ça. Ah, mais c'est sublime. Get away, Jordan. I want you to get away. Get away, Jordan. Get away, Jordan. I want to cross over to see my Lord. Get away, get away, Jordan. I want you to get away, get away, Jordan. Jacques Demy, vous l'avez rencontré comment la première fois? Jacques Demy, c'était... Je venais de faire un film, moi, en 1959, au début de la Nouvelle Vague, quoi, l'un des premiers. C'était un film de François Reichenbach qui s'appelait L'Amérique insolite. Et alors, tous les metteurs en scène de la Nouvelle Vague, Jacques Demy, tous les jeunes, enfin, qui commençaient à faire le cinéma, m'ont téléphoné, ils ont écouté, et c'est comme ça que j'ai connu Jacques. Voilà, il venait de finir son premier film qui s'appelait Lola. Ouais. Et il m'a dit, vous voulez faire la musique, tout ça. Alors j'ai dit, oui. Et puis on a fait connaissance. Puis on est devenus rapidement des amis inséparables. Et puis on s'est toujours dit, le premier jour, ou un jour, il faut qu'on fasse un musical. C'est ça, c'est ça qu'on fasse. Jacques aimait ça, tout. Et on a fait quelques-uns. Bah, c'est culte, hein, ça, maintenant, ça y est, quoi. Je veux dire, les Parapluies de Cherbourg ou Demoiselles de Rochefort, on le passe dans des émissions de télé, les jeunes de 17, 18 ans, ils trouvent ça génial. Il y a des mômes comme ça dans mon voisinage. C'est marrant. Oui. Mais ils écoutent ça, ils chantent tout ça par cœur. C'est pas embêtant, non, d'être un peu un monument historique, non? Attendez, doucement. Ben non, mais bon. On a tout le temps. Là, non, parce que vous en profitez là. Non, c'est pas ça, mais il me reste à faire plein de trucs que j'ai pas encore fait. J'espère mais, bien. Je veux dire, je vois l'avenir comme ça, à l'horizon qu'on n'aperçoit pas encore. Vous pouvez me faire juste un truc pour moi ? Oui, bien sûr. C'est, vous savez, dans les Parapluies de Cherbourg, à la fin, quand on est sur le quai de la gare, là, moi, j'ai cette image dans la tête, et on voit le train qui s'en va avec marqué Cherbourg et tout ça, juste un petit bout comme ça. Je suis essoufflé. Couper les cigares. Je suis monté à pied. Comment ça va, Fernando? Couper les cigares. Ça va bien. Comment ça va, la vie? Ça va bien, je suis un peu... Qu'est-ce qu'il arrive? 4 étages à pied. J'ai pas cet âge, moi. C'est comme au Sioran. Il faut faire attention. Il est mort de ça? À la fin de sa vie,
Le propriétaire l'a mis en ascenseur. Il habitait au 6e. Ça a été fatal. Ah, tu vois? Il est devenu malade. Comment ça va? Tu fumes quoi? C'est des Toscani. Ah. Tu verras? Ah oui, tiens, bonne idée. Attends, je vais ranger mon pétard, merci. Bon, tu es? Oh là là. Ah, c'est vachement beau, dis donc. Ouais. Vous rentrez? C'est ton où j'm'assois? C'est ton antre ici? Non, jamais ici. Je déteste ce lieu. Qu'est-ce que tu bois? Ce que tu veux. Ah, très bien, bonne idée. Tu veux une autre chose? Non, non, parfait, attends. On est dans une soirée vin. On a commencé avec... Tu veux de la Nicette? Avec Jean... Non, non, on a commencé avec Jean-Pierre Coff. Et on a parlé de vin déjà. Et il m'a mis le vin en tête pour le restant de la soirée. Pff, à la tienne. Ça me fait plaisir de te voir. La dernière fois que je t'ai vu... Je t'avais obligé à dire du bien du roi d'Espagne. Tu avais dit oui, c'est vrai, il est quand même pas mal. Mais tu te souviens de ça? Ah bah je me souviens. Attends, oui. Moi, le roi d'Espagne, pas rien pour moi. Ah oui, c'est important. C'est un Bourbon. Ah oui. J'étais allé voir, enfin il m'a accordé un rendez-vous, une audience qu'on appelle le jour de mon saint, à Saint-Ferdinand. Et il t'a dit quoi? Des choses que je ne vais pas dire. Ah oui, c'est le roi, c'est quand même le pape. Mais du bien, des gentillesses. Oui, il m'a amené dans ses quartiers intérieurs. C'est-à-dire, il m'a amené dans son bureau, qui est plus petit que celui-ci. Ah bon? Oui, enfin, c'est pas un bureau, ça. C'est quand même formidable. Il m'a montré les dalles qu'il a. Et il a fait la plus étonnante, c'est qu'il m'a vous voyez. Ce qui veut dire qu'il me trouvait très vieux, ou bien qu'il pensait qu'il était français. Mais tu sais que c'est bien parce qu'il est arrivé à réconcilier aussi bien Carillo que Arabal après tout ce que tu as fait. Je trouve ça pas mal. On va pas parler politique ici. Non. Parlons. Dis-moi, j'ai vu ton. Dis-moi, ah oui, je vais te demander un truc. L'histoire des échecs, là, t'as vu Kasparov contre. Oui. Alors contre IBM, là. Oui, mais c'est... IBM a eu raison de faire ces matchs. Ouais. Parce qu'il a trouvé le type le plus nul qu'il y a au siècle actuel. Ah bon? Tu penses qu'il est nul? Oui, il est nul. C'est un type d'ailleurs qui n'a jamais joué contre une machine. Ouais. À la place de prendre des types intéressants comme Lottier, comme Kowski, il prend un type comme ça. Remarque que c'est le mieux qu'il peut faire, puisque dans l'histoire de l'humanité, on a toujours trouvé des choses comme ça. C'est-à-dire qui est le meilleur musicien? Ouais. Bien sûr. Qui sont les meilleurs peintres des aveugles? Qui sont les... Oui. Ah, t'es pas pro Kasparov, toi? Tu penses qu'il joue pas bien? Bon, mais Kasparov, c'est une... C'est le roi du cabinet. Ça veut dire quoi? Du water close. Ah, du water close. Il a... Il est incapable de bien jouer. Ouais. Tu vois? Alors, lorsqu'on fait un coup, il s'en va au cabinet. C'est permis par la loi ici qu'il faudrait éliminer ça. Alors ils consultent les trucs. Tu crois qu'ils ont des émetteurs? Non, c'est possible. Il y a des émetteurs dans l'oreille, oui. Il faut trouver. C'est pour ça que Fischer a inventé le système. Ouais. Donc on joue aux échecs sans jouer aux échecs. C'est le secret de tout. Donc on joue aux échecs sans pièce. Ah, comment tu vis là? Tu vis enfermé ici? Jamais ici. Ah bon? Jamais c'est ici. Beau, hein. Je viens ici seulement pour te voir. Il déteste ça. Qui habite ici alors? Non, mais ça c'est vraiment pour mais tu vois, ici, je ne peux pas, ils n'ont rien pour écrire. Ouais. Je ne peux pas écrire. C'est un petit musée ici, c'est quoi? C'est ton petit musée personnel? Non, c'est pas. Non, mes amis m'ont donné des tableaux. Ils sont beaux ces tableaux. Ah, ça, c'est des tableaux que j'ai fait faire. Ça? Oui. Mais il y a des amis qui m'ont donné Botero, Saura, Picasso. Ouh, c'est terrible là, le tableau sur la République espagnole là, avec Mussolini. J'avais jamais vu celui-là. Mussolini, Hitler, Franco. C'est le tableau que j'ai fait faire. C'est-à-dire, je donne les croquis. Ah ouais? Lorsque j'étais au groupe surréaliste. Oui. Oui. Tu as fondé Panique. Ah, j'ai vu Topor l'autre jour, ton copain Topor. Oui. Tu sais ce qu'il m'a dit, Topor? Il m'a dit un truc génial. Il m'a dit tout, la vie, c'est mieux avec un coup dans le nez. Mais personne n'ose le dire. C'est un grand philosophe.
Mais tiens, regarde, puisque tu parlais de topor, il y a un topor ici. Lui, il n'a pas accepté. Il y a beaucoup de topor à la maison. Ouais. Mais lui, il n'a pas accepté de travailler à partir d'un... Ouais. Parce que je voulais qu'il travaille à partir d'un croquis. Mais lui, il n'a pas voulu. Ça. Donc, il a fait ça. Ah, mais ça, c'est lui. Ça, aussi. C'est mon portrait. De ça, c'est lui. Ça, c'est de lui. Ah. Oui, ça, c'est des choses de lui. Encore un autre portrait de lui. Ah. Oui. Il t'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est Picasso. Lui, il aussi, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté que tu fasses ça. Ah oui, mais je lui dis. Mais comme il n'était pas très intelligent, il était horrifié parce qu'il avait fait un film qui s'appelait Vive la muerte. Il est beau, hein. Lui a dit, ça, c'est Vive la vida. Vive la vida. Et ça, c'est beau, ces boîtes. Alors, l'autre jour, on a vu... Ça, c'est Roldan. On est allé voir des gens qui faisaient ça. On est allé voir des artistes. Ah, ça, c'est Roldan, un type qui faisait ça mystique, dans des boîtes. Il est devenu mystique. Avant, il s'intéressait au sexe, maintenant, il est devenu mystique. C'est pas loin, hein. Oui. Oui, c'est lié. C'est très lié. Ça, c'est Pons. Ça, c'est Magritte. Ça, c'est Franck Etienne. Le ministre de la culture haïtienne. Il a été ministre de la culture haïtienne. Ça, c'est Facianos. Ah oui, facilement. Oui. Non, ça c'est drôle, parce que ça c'était maintenant, c'est un mat. Si on peut dire que c'est drôle. Parce qu'il est devenu très sérieux, un mat. Oui. Mais à l'époque, il était comme moi, il était un type drôle. Il regardait, oui. Mais ça c'est signé pour la vie. Maintenant, il m'a demandé de les détruire. Ah oui. Et voilà ce qu'il avait fait. C'est pas terrible, non? Oui, c'est pas terrible. Oui, mais, alors il est mal avec ça. C'est Nagui qui fait ça aussi. Bon. Mais ça, c'est quoi? C'est un livre. Ah. Un livre fait avec un peintre qui s'appelle Poupron. C'est un livre dont les textes sont là. C'est joli comme idée, ça. C'est un peintre de ce qu'on appelle conceptuel. Ah oui, c'est bien. J'adore. Et ça aussi, c'est un livre. Encore un livre. Ouais. Ça, c'est encore un livre. Fais voir celui-là. Mais je ne l'ai pas ouvert encore. Il vient d'arriver. C'est pour ça qu'il est là. Regarde. Ah, c'est beau. Alors, ça, c'est, tu vois, c'est mon ah, texte, oui, c'est beau, là. Ça. C'est un livre, je crois qu'il est fait à 3 exemplaires. Oh là. Et alors, le texte ah, c'est les papyrus de la mer morte, quoi. Ouais. De la mer vivante. De la mer vivante. Vive la vida. Salut. Ça va? Ouais. T'es le nouveau Smaïn, hein? Non, le nouveau Smaïn. Je suis Jamel. C'est quoi, tu me sois assis, tu me prends la tête, là? Non, ouais, s'asseoir, ouais. Si, tu viens, tu me ramènes tout le temps marmaille, là, je suis assis, tu me prends la tête. Les journalistes tous les mêmes, de toute manière, ils arrivent, ils arrivent avec leur technique, leur matos, leur bricole, leurs questions. Tu sais, la dernière fois, j'ai croisé un journaliste, un mec bizarre, tu vois. Ouais. Tu sais, genre sournois, tu vois, genre bizarre, tu vois, genre terroriste, tu vois, genre comme lui, là, pareil. Tu sais, après, il arrive, tu sais, il commence à me poser des questions cheloues, tu vois, tu sais, bizarre, tu sais, j'aimais pas, tu vois, il était bien habillé, tout ça, mais moi, j'aimais pas. Et je vais te le faire, tu sais, il était chelou, comme ça. Comme ça, il m'a fait comme ça, écoute. Bon, écoutez Jamel, hein. Moi aussi, je suis votre copain, je suis de la banlieue, comme vous, Ziva, ta mère. Bon, écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais être en autobus sans contourner la question. Je veux que vous me parliez en toute franchise de vos problèmes économiques, sociaux, culturels. Car je sais, c'est pas la peine de mentir, que vous avez d'énormes problèmes à vous insérer parmi les gens normaux. Hein? Je sais que votre père tape votre mère et que vous en êtes réduit à vous servir de caddie comme moyen de locomotion. Dites surtout pas que c'est pas vrai, j'ai des preuves. Tu sais, ça m'a chauffé grave, j'étais vénère grave. T'sais, comme lui, là, tu me chauffes grave depuis tout à l'heure. Après, bon, je l'ai regardé, je lui dis l'autre brontosaure, là, l'autre brontosaure.
D'abord, d'où que je vous vois. On n'a jamais voulu d'être ensemble, que sache. D'accord. Hein, d'où que tu vous vois. D'abord, d'une, je vous dis, je me demande quelle est celle d'eux qu'elle puisse de mal à s'insérer parmi les gens normands. Moi, avec mes caddies, ou lui avec sa plume sur la tête, là. De deux, c'est pas mon père qui tape ma mère. C'est ma mère qui tape mon père. Et de trois, pour fermer sa grande gueule, je lui dis... Je mets des gants pour pas laisser de preuves. Je suis pas un psycho. Ça m'a vénère grave, c'est vrai, faut pas déconner. Toi, t'arrives avec ta caméra, tes questions... T'appelles comment d'abord? Thierry. Comment? Thierry. Thierry? Ouais. C'est joli comme prénom. C'est joli, ça fait un peu fromage, mais bon. C'est quoi la question que tu m'as posée? Aucune question. Je viens de voir. Je te demandais si t'es le nouveau Smaïn, c'est ça la question? Non, non, aucune chance. Non, je suis... Je m'appelle Jamel Debbouze. Roi du blues. T'es marocain? Ouais. Ou français? Marocain ou français, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et aujourd'hui? Je suis... Ouais, allez, disons français, j'aime t'es bien. T'es français? Ouais. C'est gentil, merci. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'écris des sketchs sur la banlieue, sur des choses comme ça. Sur les choses qui me sont chères, les choses que... Sur les trucs que j'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ce que je fais... Il y a des journalistes qui viennent voir les gens en banlieue en leur demandant de... En leur donnant de l'argent pour qu'ils fassent des reportages bidonnés et tout ça, ça existe? Bah ouais, mais attends, ça existe. J'en fais des sketchs. Viens me voir au movie, si tu verras. Ouais. C'est un truc, ça m'est arrivé. Je me suis inspiré d'un fait réel. C'est un mec qui est arrivé avec ses questions, qui débarquait comme ça avec sa caméra, ouais, sans poser de questions. Au départ, il arrive à nous proposer. Ils nous ont proposé 500 francs. Après une émeute qui s'est passée, il nous a demandé d'apporter nos témoignages et qu'il serait l'avocat du diable, en fait. Il nous a promis qu'il mettrait en avant la vérité et qu'il ferait valoir le droit par rapport à cette histoire-là, tu vois. Et en fin de compte, il a sorti dans un canard, je sais plus lequel c'était. On a fait l'interview, on a eu confiance en lui, et ce bâtard, ce qu'il a fait, il a raconté n'importe quoi. Il a transformé la vérité. Et nous, auprès de nos autres potes, on s'est fait... Ouais. C'était chaud. Voilà, et en plus, non seulement il n'a pas dit la vérité, on est passé pour des cons, et c'était tout bénef pour lui, mais pas pour nous, il a vendu son truc. Voilà. T'es de Trappes, toi, non? Ouais. C'est comment? C'est joli. C'est bien comme ville? Ouais. Non, c'est vrai que ça commence à devenir un peu bizarre dans la mesure où ça commence à virer... C'est touristique, maintenant? Ouais, maintenant, c'est ça, exactement. Il y a 6 cartes de CRS par centre commercial, 60 CRS par carte. C'est moins drôle, déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils servent à rien. Le quartier latin était comme ça il y a 20 ans, puis après, ils sont partis, ils sont à leur banlieue. Ouais, mais on va pas attendre après 20 ans. Après 68, donc. Ils ont mis des cars sur le boulevard pendant des années. Mais on va pas attendre 20 ans, non. Ah, vous attendrez pas? Nous, on a attendu qu'ils s'en aillent, ils sont partis. Pas vous attendrez pas. Ouais. Non, c'est bon, on n'a pas le temps, on a des choses à faire. Ouais. On va attendre 20 ans. De ceci dit, ils sont pas très méchants, ils servent à rien, ils sont là, ils nous regardent, ils nous aident à porter nos courses, tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Mais si vraiment c'est chaud, ils savent qu'on est là. Mais tu sais que l'État va payer des grands frères pour aider les vieilles personnes à aller chercher leur pension à la poste. J'ai vu ça, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est une bonne mesure quand même. C'est pas mauvais comme truc. C'est bien? Non, sincèrement, c'est pas très con dans la mesure où bon, c'est sûr que les contrôleurs, par exemple, je prends l'exemple des contrôleurs à la SNCF ou à la RATP, ils sont constamment frappés dessus. Ouais. D'accord? J'ai vu à Blois, il y a un système qui s'est mis en place, c'est les grands frères, en fait, qui sont là à l'entrée des cars pour faire en sorte que ça se passe bien. Ouais. Sachant qu'on les respecte, ouais, tu vois, et qu'on ne pourra jamais lever la main sur eux, ouais, et qu'il y a cette notion de respect qui est entre nous et eux. Ouais. C'est un peu des harkis, les grands frères, dans ce cas-là, quand même, non? Non, non, mais non, pourquoi? Parce que, non seulement, bah, attends, pour les plus petits, c'est sûr que ça sera mal perçu, mais, j'allais dire, les gens qui ont une certaine maturité, j'ai que 20 piges, tu vois, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais je sais que si demain, il y avait un mec de 25 ans, 30 ans, qui serait là, qui se pointerait devant moi et me dire, arrête tes bêtises, ce mec-là, il est passé par là avant, il sait de quoi il parle, et je prendrais du recul avant de faire quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Stop. Moi, je trouve ça peut marcher, ça. Moi, je suis sûr que
Toi, tu te dis, c'est bien. 10, c'est bien. 10 mecs à la suite. Ouais. Et il y a des filles qui font plus? Oh oui. Combien? Il y a un record, je crois, de 251 qui s'est fait aux États-Unis. 151 mecs à la suite? Non, 251. Ouais. Mais vu la tête de la fille après, je me demande si franchement c'était pour le record ou si c'était pour le plaisir. Ouais. Bah, c'est comme traverser l'Atlantique à la rame. Ben oui, ouais. Mais bon, là, franchement, c'est vraiment ramé pour... ramé, donc maximum, c'est 10 ans à la suite. Oui, c'est bien. Mm. Plus mon mari, pendant les entractes. Ouais. Bah, mais si on compte qu'une fois, ça fait... Ouais, ça fait 10, mais les mecs, ils reviennent, tu vois? Certains, ouais. Ah ouais? Oui. Ah ouais, d'accord, donc ça peut faire 30, quoi. Oh, quand même pas. Ouais. Mais en vaginal ou en anal? Un peu des deux. Un peu des deux, oui, c'est pas soit vaginal, soit anal. C'est... Non, c'est au choix. C'est au choix. C'est comme... Ouais. C'est comme je me le sens. Mmh. Quelle impression ça fait? Quel sentiment ça procure? Est-ce que tu jouis du début à la fin, par exemple? C'est psychologique, cette affaire-là. Ouais, mais est-ce que tu jouis du début à la fin? Pas physiquement, non, mais c'est jouissif, ouais. Ouais. Il y a un moment où tu t'abandonnes complètement, quoi. Non, jamais. Pas quand il y a une caméra. C'est pas possible. Mais si tu fais... T'as jamais fait de gangbang hors caméra? Si. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'abandonnais complètement? Moi, je me souviens plus. C'était hors du temps, hors de... Ah ouais. C'est comme le saut en parachute. Ou le parapente. C'est ça? Au bout de combien? 2-3 mètres, tu sais plus où t'habites? Ouais, à peu près, ouais. Mmh. Ouais. Et après, c'est un sentiment nouveau. Après, on a faim. Après, on a faim. Et t'as donné envie? On a faim, on est content. Ouais. Bah, c'est ça qui m'a donné envie de le faire devant une caméra, en fait. Ouais. Et envie de recommencer, ou juste, bon, t'as fait l'expérience, puis... Maintenant... Devant une caméra? Ouais. Bon, on verra, il faut que je trouve une petite... une mise en situation. Mmh. Amusante, et pourquoi pas recommencer, oui, pas dans l'immédiat, mais... Si j'ai envie de recommencer, je recommencerai. Là, t'as pas spécialement envie, là? Bah, là, tout de suite, mais... Non, je dis pas tout de suite. ces jours-ci, je veux dire. Ces jours-ci? Ouais. Non, j'ai d'autres choses, d'autres projets en vue. Par exemple? Bah, par exemple, j'ai filmé il y a pas longtemps tout un film où des petites débutantes sont livrées en pâture à 2, 3, voire 4 garçons en même temps. Mmh. Donc, je les ai un petit peu aidées à aimer ça. Mmh. Donc on va essayer d'en trouver une qui a envie de pousser l'expérience un peu plus loin. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Mmh. Quel est le truc le plus dégueulasse que t'as fait? J'ai pas fait de truc dégueulasse. Pas dégueulasse, mais le truc le plus hard, si tu préfères. Je préfère. Moi aussi, oui. Une double pénétration. Anal ou vaginal? Ben, en même temps. Ah ouais, mais la double péné anale, t'as jamais fait? Non. Donc t'as encore des trucs à découvrir, finalement. Oui, mais de toute manière, je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais. Peut-être, si un jour j'ai envie, ça m'excite d'essayer, je le ferai. Ça te tenterait, ça, une double péné anale? Pour le moment, non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.